Qu'est-ce que vous faites là? Non. 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 Mais alors, vous en faites une tête? J'ai rêvé de vous. C'était horrible. Ah, merci, toujours le mot sympa. Non, mais vous cherchez à me tuer. Excusez-moi, Valentine, c'était un cauchemar idiot. On rêve toujours de choses qui n'arrivent jamais. Vous n'avez aucune envie de me tuer, au moins. Allez savoir. La salle de bain est dans la chambre. La baignoire est à côté du plumard. Pas loin. Ça veut dire que de ton lit, tu peux regarder quelqu'un qui se douche. Celui qui est couché peut mater celui qui se lave, ou celle. Mais oui. Mais quand c'est Valentine, je m'arrange pour le laisser seul. Quoique, c'est pas le genre à s'effaroucher. La pudeur, c'est pas ce qui l'étouffe. Et t'en profites pas. N'importe quoi. Tout je te dis, c'est vraiment un cas médical. Hein. T'es un phénomène de la science, toi. Non mais attends, tu cohabites avec une nana qui demande que ça, tu dors carrément dans la salle de bain et tu gardes tes distances. Ah non, là tu m'inquiètes. Hein. Oui, ben t'es peut-être très inquiet, mais moi je suis très fidèle. T'as jamais pensé à te faire soigner? Tu veux pas être sérieux 5 minutes, Léo? Mais justement, soyons sérieux, tiens, quand est-ce que tu m'invites chez toi? Pour quoi faire? Ah, ben pour la rencontrer, tiens, comment s'appelle déjà Léotine? Valentine. Et dis-moi, tu n'es pas avec elle? Non. Et tu es fidèle? Oui. Et elle est libre? Mais attends, tu la connais même pas. Ben justement, je ne demande pas mieux que de la connaître. Oui, ben tu t'apercevras très vite qu'elle est pas très sérieuse. Eh ben moi non plus, je suis pas sérieux. Non, mais elle est complètement allumée comme nana, tu vois. C'est... Ah ouais, c'est exactement ce que je cherche. À moins que tu sois jaloux. Bon, vraiment pas du tout. Hein. On m'a suivi dans les escaliers. Et alors, c'est flatteur. Oh, Valentine, j'ai peur. Oh, mais oui, tu trembles, dis donc. Tu sais, hier soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma porte complètement déglinguée. On a essayé de rentrer dans mon appart. T'as cambriolé? Non, je te dis, on a essayé. Je reviens du commissariat, là, j'ai été porter plainte. Mais contre qui? Contre X. Oh, ben oui, alors ça, évidemment, je suis bien avancée, hein. Alors, on m'a conseillé de faire changer les serrures, j'ai téléphoné, le type, il m'a dit qu'il ne pourrait pas passer avant demain. Mmh. Dis, Valentine, oui. Tu veux pas me garder chez toi? Oui, bien sûr, une croûte. Mais. T'as dormi où cette nuit? J'ai un copain. Ah, j'avais tellement peur, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, et là, je suis vraiment hyper naze. Bon, bah écoute, t'inquiète pas, t'angoisse pas, et si tu risques rien, c'est gentil. Ah! Oh, mais attends, c'est le voisin, cool! Oh. Excuse-moi, mais le moindre bruit, tu vois, ça me fout une peur panique. Mais c'est rien, c'est une tronçonneuse. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il découpe sa femme. Ah bon, bon allez, calme, tu m'assures. T'inquiète pas. Mais attends, mais c'est le téléphone! Non, t'as déjà entendu sur le téléphone quand même, hein? Allô? 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 C'est qui? Personne. On a raccroché. Non. Bon, alors, quand est-ce que tu me la présentes, Valentine? Un de ces jours. Bon, dis donc, tu pourrais montrer un petit peu plus d'enthousiasme quand même, je te rends service, hein? Tu me rends service, c'est la meilleure, ça. Bah oui, eh, vis-à-vis de Charlotte, c'est plus rassurant. Vivre avec une fille qui est seule, ça peut être mal perçu. Tandis que si tu la cases avec moi, eh ben, il n'y a plus de blême. Donc, je te rends service. Emmenez-vous, ma mine de rien. Mais comment peut-être aussi sûr de devenir son petit ami aussi vite? Laisse faire les pros, tu veux. Non, tout ce que je te demande, c'est un petit rendez-vous, un petit rencard, tu m'arranges ça, un petit, je sais pas moi, comment ça... Traquenard. Bon, écoute, Thomas, je vais t'expliquer un truc. À peu de choses près, les filles, c'est comme les garçons. Hein. Elles parlent de la même chose, elles pensent à la même chose, elles veulent la même chose. Seulement, elles vont plus vite que nous. Plus vite. Mais oui, quand toi, par exemple, tu te demandes si tu vas prendre un verre avec une fille, bon, eh ben, elle se demande déjà si potentiellement
Tu es l'homme de sa vie, tu comprends? Mmh. Elle voit plus loin. Elles ont toujours un métro d'avance, c'est ça. Tu veux l'épouser maintenant? Ah, mais elle essaie. Elle essaie. Moi, toutes les filles avec qui je suis sorti, c'était des mariages. Elle essaie. Bon, alors, évidemment, les essais étaient un petit peu des plantages. Hein. Ceci dit, ça m'a économisé des divorces. Hein. Et puis, je ne désespère pas, de toute façon. Toi et tes théories. Ah, au fait, j'ai un petit resto chinois incontournable. Hein. Je vous invite, toi et elle, ce soir à 9h pétante. Elle n'est peut-être pas libre. Et moi, je suis libre. En plus, on bouffera aphrodisiaque. Non, ça marche à tous les coups. Hein. À chaque fois que j'ai emmené une fille là-bas, dans les 2 heures, c'était réglé. Bœuf au saté. Bœuf au quoi? Bœuf au saté, avec des champignons parfumés à thé aphrodisiaque. Garantie sur facture. Faut absolument qu'il n'y ait pas de ça. Hein. Pense-y. Mais tu sais, j'ai jamais été très courageuse. Hein. J'ai l'air comme ça, parce que c'est pas honteux d'avoir peur. Tu sais quoi? Quand j'étais petite, un jour, mon père m'envoyait à la cave pour chercher des bouteilles. Bon. Et la porte s'est refermée sur moi et je suis restée dans l'obscurité plus d'une heure. T'as dû mourir de trop, toi. Oui. Alors, pour pas céder à la panique, j'ai descendu une bouteille de médoc. Enfin, choisis les médocs, hein, quand même. Bon, enfin bon. Et quand mes parents m'ont retrouvée, j'avais plus peur du tout. D'ailleurs, je les ai pas reconnus. C'était quoi? Ah, bonsoir, Jennifer. Vous m'avez fait peur. Non, mais bon. Parce qu'on a essayé de rentrer chez Jennifer hier soir, elle a un petit peu sur les nerfs. Des voleurs? Bon, c'est pas, justement. Alors, je vais proposer dormir ici le temps qu'on change sa serrure. Ah, ben, si vous voulez, mais... Mais? Mais quoi? Je voulais vous inviter au resto. Enfin, pas moi, Léo, mon collègue de bureau. Il connaît un Chinois incontournable, paraît-il. Il a beaucoup insisté. Non, mais je peux pas laisser Jennifer toute seule, enfin, elle a peur. Bon, ben, je vais appeler Léo pour lui dire que c'est pas possible. Ah, ben non, 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 ben non, je vais pas bouleverser vos plans, hein, ça. Mais ou alors elle vient avec vous? Ah, ben oui, enfin... Je veux pas déranger non plus, mais je paierai ma part. Tu déconnes. Bah oui, je déconne. Tu vous avez pensé plutôt... Ah non, mais s'il est pas content, c'est la même chose. Je veux dire, c'est les deux ou personne. Bon, ben moi, pendant ce temps-là, je vais faire un petit somme. Parce que j'ai pas fermé l'œil depuis hier matin. Et vraiment, je suis fatiguée. J'ai mal rien que de le laisser ouvert. Voilà. Ouais, une heure, pas plus. Hein. Oui, oui, ok, ok. Vous la gardez longtemps? Bon, écoutez, Thomas, vous avez Charlotte, moi j'ai Jennifer, on est un partout, alors commencez pas, hein? Et vous énervez pas, je disais ça comme ça. Bon, parlez-moi plutôt de votre copain, Léo. Faites-moi une petite fiche. Ben, c'est un garçon de mon âge, sympathique, intelligent, célibataire. Ben voilà, fallait commencer par là. Pourquoi? Parce qu'il est célibataire? Disons que ça me changera des gens que je côtoie. Tu es mon regard. Et beau garçon? Écoutez, Valentine, j'adore Léo, mais je tiens à vous prévenir tout de suite, il drague comme il respire. Pour lui, les filles, c'est comment dire, c'est la viande, du rhum steak. Depuis que je lui ai montré votre photo, il n'arrête pas de me parler de vous. Bah, faut espérer que je ne décevrai pas. Pardon? Mais quoi, vous êtes jaloux? Non, pas du tout. C'est pas mon problème. Non, mais non, mais je m'en voudrais juste vous présenter quelqu'un qui ne pense qu'à une chose. Laquelle? Me faire grimper au rideau. Mais si ça se trouve, j'ai les mêmes pensées que lui. Oui, mais de toute façon, il y a Jennifer aussi. Hey, peut-être qu'il peut flasher sur Jennifer. Elle est très jolie, elle aussi. Sur les deux. Oui, il n'y a pas de jalousie entre Jennifer et moi, on s'adore. On peut même partager s'il le faut. Partager, mais quoi? Ben un mec, s'il est en forme, il y en a pour deux, quoi. Bon, enfin, Thomas, ça vous est jamais arrivé d'essayer des trucs avec deux filles en même temps, vous? Surtout, ne croyez pas tout ce qu'elle dit. Valentine n'a pas fait le dixième de ce qu'elle raconte. Chez elle, le mensonge, c'est pas une seconde nature, c'est une première nature. Il y en a qui mentent par intérêt, d'autres pour se valoriser. Et certains, comme ça, par poésie. Oui, c'est ça. Valentine, c'est un poète. Jennifer, allez. Jennifer. C'est l'heure. Je sais plus sommeil, je fais tout. T'as pas faim? Hein? Juste tout. Bon, écoute, nous, il faut qu'on y aille. Tu veux nous retrouver après? Je peux plutôt. Elle a encore couché? Si je veux pas. Elle a l'école. Elle vient pas? Non, vu comme elle est partie, ça m'étonnerait. Et voilà, c'est pas possible ça. Mais quoi? Mais parce que j'ai prévenu Léo, il a dû réserver pour 4. Ah. Vous avez peur, je me retrouve seule avec lui, hein? Mais non. Allez, Jennifer, on va dîner chinois. Allez, réveillez-vous, à table. Mais c'est merdeux, hein? Elle est charmante quand elle dort. Non, elle est très fatiguée. Mais je croyais qu'elle avait peur de rester toute seule. Mais elle risque rien ici. Bon, puis je vais lui passer ça. C'est quoi ce truc?
Ben, c'est une bombe anti-agression. Ça, ça vous pique les yeux et ça vous met dans le Schwartz pendant un bon moment. Elle sera en sécurité. Tiens, Jennifer. C'est stupide et c'est dangereux, ce truc. Mais ça la rassure. N'importe quoi. Pourquoi pas un flingue pendant que vous y êtes? Bon, allez. Moi, je suis prête. On y va. Dites, elle est pas un peu courte, cette jupe? Thomas, même si on était mariés ensemble, je vous permettrai pas ce genre de réflexion. Je m'habille comme je veux. OK? Féministe. Pas de chou. Jennifer ne viendra pas, elle dort. Oui, bah, ça sera pour la prochaine fois. Alors, vous prenez quoi, Valentine? Je sais pas, pour moi, c'est du chinois, cette carte. Vous n'aimez pas la cuisine asiatique? Je connais mal. Alors là, vous ne pouviez pas mieux tomber. Pour moi, aucun de ces plats n'a de secret. Pour la simple et bonne raison que j'ai passé une partie de mon enfance à Saïgon. Première nouvelle. Ta gueule. Et donc, Valentine, je vous conseille le bœuf au saté. Ah non, pas ça. Bah, comment, de quoi je me mêle, Thomas? Tu penses que tu veux, hein? C'est quoi exactement, bœuf au saté? Alors, c'est du bœuf avec du saté. C'est très parfumé, on sent beaucoup mieux après. Bah, je vous fais confiance. Mais vous pouvez. Pourquoi vous prenez pas du poulet, Valentine, comme tout le monde? C'est très bon, le poulet. Bon, alors, Thomas, tu prends ton poulet, puis tu lâches la grappe. Il est toujours comme ça avec vous? Non, mais encore là, c'est rien, il se retient. Ah, monsieur Léo, quel plaisir de vous accueillir dans notre humble maison. Alors, Georges, comment vont les enfants? Ça pousse doucement, je dirais même, ça pousse doucement. Humour nippon. Georges a 6 enfants et il ne se nourrit que de sa thé. Hein. Vous avez choisi? Oui, 2 x 41. 2 x 41. Je vois que monsieur Léo compte veiller tard ce soir. On va essayer. Et toi, Thomas? Poulet à la tonkinoise. Le numéro. Je note que le numéro. Oui. 153. Ah, monsieur a le palais solide, je présume. Pardon? Le 153 est exquis. Mais sauf votre respect, il arrache la gueule. Oui, ben, 153 quand même. C'est au risque et péril, honorable client. C'est un dur. Du vin? Non, du thé. Oh, moi, j'aime pas le thé, je veux du vin, moi. Un petit rosé léger. Parfait. Le petit rosé qui... qui cogne comme la dernière fois avec les jumelles. Exactement. Valentine? Valentine? Thomas? Je suis seule. Jolie, Valentine, quand vous mangez. Moi, d'habitude, c'est quand je souris, mais bon. Il n'y a pas un peu dragueur, votre copain? Oui, pas du tout. Alors, dragueur, alors voilà, le mot qui tue, non, ça, j'ai horreur de ça. En plus, c'est même pas vrai, je drague jamais. Et t'appelles ça comment? Les dragués, dragués, c'est pour les pêcheurs qui draguent le poisson. Pour moi, les femmes, c'est pas du poisson. C'est de la viande, du rhum steak. Mais non, moi, je charme, je séduis, je courtise. Et ça marche? Bah, j'ai la chance de plaire aux femmes qui me plaisent. Moi, c'est bien, parce que alors, moi, quand quelqu'un me plaît, j'ai du mal à les faire comprendre. Ah oui? Alors, avec moi, pas d'inquiétude. Hein. Je comprends à demi-mot et je pige au quart de tour. Hein. Pas besoin de me faire un dessin. Alors, vous aimez le bœuf au saté? J'adore. Oh là, doucement, je suis pas demeurée. Je connais peut-être pas la bouffe chinoise, mais je sais ce qu'on dit. D'ailleurs, les aphrodisiaques, ça marche pas, c'est une légende. Et comme le but, c'est de rendre Thomas jaloux, je fais comme si... Les aphrodisiaques, ça marche à tous les coups. Alors un conseil, si vous avez une nana qui sait pas trop ce qu'elle veut, reste au chinois. En plus, c'est moins cher, ça fait des économies. Alors oui. Ah. En panne? Ah bon? Où ça? Maintenant? Ah ben oui, un petit peu, oui. Oui, oui, non, non. Oui, je te rappelle, mais... C'est Charlotte. Elle est tombée en panne d'essence à la porte d'Orléans et elle veut que je vienne avec un bidon. Oh, bah, ne dis pas que tu nous abandonnes. Oui, c'est bête, on passe une si bonne soirée. Vous avez raison, je reste. Elle peut appeler une dépanneuse, c'est aussi bien. Une dépanneuse?
Ah non, 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 mais ça va lui coûter très cher, t'as vu l'heure qu'il est? Non, puis c'est pas cool de la laisser se débrouiller toute seule, faire un don de cochon. Oui, mais j'ai pas de parapluie, moi. Ah, oh, mais attends, c'est pas grave, je te prête le mien, voilà. Et puis moi j'en ai aussi, donc on s'abritera ensemble. Non, allez, vas-y, c'est pas grave, tant pis, je m'occuperai Valentine. Bon, je fais le plus vite possible et je reviens. Bah, on sera parti, hein. Et où ça? Je ne sais pas, vous avez une idée, Valentine? Chez moi. Chez nous, pardon. Excellente idée. Puis je peux pas laisser Jennifer trop longtemps toute seule, elle a peur. Mais bon, on fera attention de ne pas la réveiller. Valentine, je vais vous demander quelque chose. Promettez-moi de dire oui. Je peux promettre, mais pas tenir. Ah, quelque chose me dit que cette promesse, vous la tiendrez. Ah, je trouve bien sûr de vous. Ah, toujours quand je suis avec quelqu'un qui me donne des ailes. Alors, oui, vivons dangereusement. À partir de maintenant, on se dit tu. Ok. Ben voilà déjà une étape de franchie. Oh, c'est énorme, hein. Surtout que ça changera Thomas qui nous impose le vouvoiement comme si on était des voisins de palier. Alors, tu veux un petit dessert? Si tu insistes. On va prendre des rouleaux de bonheur à la sauce coco. C'est quoi ça? 68. Hein? Ah, sur la carte, c'est le numéro 68. Ah bon, on l'a échappé de belle. Hein? Une petite douceur, monsieur Léo? Oui, on va prendre de 1,68 avec deux cuillères. Jennifer doit être en train de dormir, chut, pas de bruit. Oh, dis donc, le pied à terre. Écoute, bon, tu m'attends deux secondes, hein. Tu te sers un verre en attendant. Ouais. Méfaits de l'autodéfense. Une bombe anti-agression, c'est fait pour agresser ceux qu'on croit qu'ils vont vous agresser. Bah ça, c'est dangereux, hein, beaucoup trop dangereux. Alors moi, je vous donne un conseil, hein, laissez béton les bombes. Hein. Mais faut pas lui en vouloir. C'est à cause de sa tentative de cambriolage, hein. Tu l'excuses? Et remarquez, dans un sens, vous avez de la chance, parce que si Valentine m'avait donné un fusil de chasse, et ben maintenant, ça serait carrément le cimetière. Oh, à propos, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Jennifer, enchantée. Ça va? Oui, enchantée. Moi, c'est Léo, très heureux. Hein. Le mot est faible. Bon, ça va mieux? Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Oui, je vous pardonne si vous m'embrassez toutes les deux en même temps. Où ça? Où vous voulez. Oh, mais c'est pas vrai, les deux en même temps. Ah, Thomas, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Ah bah non, alors là, c'était pour me faire pardonner, on était à deux doigts de transporter aux urgences. Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Bon, Thomas, t'arrives un peu tôt. Et en plus, sur mon lit, il faut pas se gêner. Allez, tous les trois, dégagez. Non, mais sens pas bien. J'ai dit dégagez. Mais non, je t'en veux pas, Charlotte. Mais si c'était moi qui étais tombé en panne d'essence, tu aurais fait la même chose. Comment ça, ça dépend? Ah, oui, bise, au revoir. Ah, Léo, alors, t'étais remis de ton coup de bombe? J'ai encore un petit peu mal aux yeux, quelle saloperie ce truc. Mais toi qui voulais connaître Valentine, c'est réussi? Ah, c'est pas réussi, mais c'est pas tout à fait raté non plus. Y a du nouveau? Ah, je veux mon neveu. Je le vois tout à l'heure. Encore? Ah, écoute, c'est elle qui m'a donné rendez-vous. Hein. Bon, on s'est quitté hier soir sur une fausse note, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'elle avoue que je suis l'homme de sa vie. Tu vas pas un peu vite, là? Ah, bah, t'es pas obligé de me croire, hein. Et vous voyez où? Devine. Au même restaurant chinois qu'hier. Encore? Mais il plaît, ce restaurant. C'est elle qui a choisi. À mon avis, elle a adoré le bœuf au saté. Voilà. On arrive à un moment toujours délicat pour une fille.
et un peu vexant pour un mec. Et oui, c'est pas facile d'expliquer à un garçon qu'on l'aime beaucoup, qu'on le trouve très sympa, mais que bof, quoi. Surtout quand le garçon s'est monté la tête. Il s'est fait beau, il a fait ménage chez lui, et tout ça pour des prunes. Alors, on se reprend un bœuf au saté ? Non, plus au citron. T'as pas aimé hier ? Bah si, mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. Bon, de mieux en mieux. Décidément, c'est tous les jours. 2 fois 41. Non, 2 fois 34. Si je peux me permettre, le citron est beaucoup moins efficace que le saté. Justement. C'est comme mademoiselle voudra. Bon, Léo, je peux te faire une proposition ? Ah, j'adore qu'une femme me fasse une proposition. J'espère que tu vas dire oui. Oui. Mais tu sais pas ce que je vais te demander. C'est oui quand même. Est-ce que tu vas être mon ami ? Tu veux dire petite amie ? Non, amie tout court. Enfin, je veux dire, tu es bien le meilleur ami de Thomas, donc tu pourrais être mon ami. Oui, c'est beaucoup moins drôle, là. Non, mais attends, ça fait pas longtemps que je suis à Paris, je connais pas grand monde à part Jennifer, voilà. Non, pourtant, je pensais qu'entre toi et moi, j'irais... Non, mais il peut se passer quelque chose de très fort sans que ça passe automatiquement par ce que tu penses. Non. Toi, tu crois à l'amitié entre une fille et un garçon, toi ? On peut essayer. Bon, j'ai essayé, ça marche pas. Mais si, tu lui as mis avec Charlotte. Si. Alors ? Non, mais c'est pas pareil, elle est avec Thomas. Oui, bah c'est pas si différent, hein. Tu sais garder un secret ? Non. Tu m'as tué. Il est mort, ne parle plus. Je vais épouser un homme. Quand ? Je sais pas. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'épouserai. Le petit problème, c'est qu'il le sait pas non plus. En plus, il est amoureux de notre femme. Enfin, rien n'est simple dans la vie, hein. Ça, alors, c'est quelque chose. Tu m'en veux pas trop ? Le type que tu veux épouser, c'est Thomas ? J'ai rien dit. C'est Thomas. Tu crois que j'ai aucune chance ? Bah, à mon avis, t'as du boulot, hein. Enfin bon, dans la vie, quand on veut quelque chose... Tu lui diras rien ? Promis. Bon, pas trop déçu. Moi, je serais vraiment pas déçu si tu me fais un bisou. Ami, ça va être difficile. Enfin bon, je te promets de faire un effort. À propos, j'ai le droit à un autre bisou.